Y'a plein pas, les amis, bien quoi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la deuxième of the day. T'es content de voir Zach Nani deux fois? Frère, y'en a, je sais très bien qu'ils me voient plus que leur père, et ça, c'est pas très sympa à dire, ok, certes. Bon, bah, ça me fait plaisir en tout cas de vous retrouver. J'ai pas trop sorti de vidéo en ce moment, encore moins sur Cold War, mais ça me fait plaisir que vous ayez apprécié celles qui sont sorties. On se retrouve aujourd'hui pour la sortie d'un classique de chez Classic. De toute façon, au fur et à mesure des années, Activision, c'est que de la ressortie de classique, c'est ça qui me fume. Parce que aujourd'hui, on va se retrouver pour le jeu d'armes, deuxième vidéo de cette saison 2, après avoir testé la Phara 83 ainsi que la nouvelle map Apocalypse. J'ai hâte de voir l'ordre des armes. Bon, j'ai complètement brain lag, là vraiment il y a eu un pet dans mon cerveau, frère. J'étais là en train de parler, d'un coup il y a eu et je me suis tué. Donc j'ai hâte de voir l'ordre des armes. Est-ce qu'ils vont nous mettre la stunner? Est-ce qu'ils vont nous mettre des snipers? Est-ce qu'on va terminer au couteau et au poing? C'est ce qui risque d'être fait. Le jeu d'armes est un grand mode classique. En fait, le jeu d'armes, vraiment, c'est un plan cul, frère. C'est un plan cul. Le jeu d'armes, t'arrives, tu le baisses, tu pars. Voilà, c'est tout. Et ça dure 7 minutes. C'est magnifique. Et il en redemande pas plus. Moins énergivore qu'une femme. Et ça, c'est très appréciable. Bon, plus sérieusement, au lieu des blagues de beauf, nous allons découvrir ce petit mode. Ça me fait plaisir. Jeu d'armes sur Black Ops Cold War. Let's go, baby. Let's go baby, nous sommes sur le jeu, sur Crossroads Strike. J'ai rejoint une game déjà lancée, donc voilà, ça risque d'être à mon désavantage, mais... c'est pas du tout dramatique. Hop là! Oh là là, je commence déjà à ressentir les petits kiffs avec... Oh, il m'a lavé le cul. Je commence déjà à sentir les petits kiffs avec les switches d'armes. Ça me fait vraiment plaisir, ce petit jeu d'armes. Voilà, moi, la sélection des armes est importante. Et voir le Spadoose, par exemple, en troisième, ne déroge pas à la règle. En général, ça commence toujours comme ça. Petit gun. Attention. Oh, le triple. Oh, le triple, le triple. Tu vois, les enchaînements d'armes comme ça, d'une fluidité incroyable, ça fait plaisir. On rejoint déjà la tête. Donc, pour moi, la sélection d'armes est très importante. Ça commence en général petit gun, après peupon. Je vais pas me faire laver. Après, il y a des armes principales, des fusils d'assaut. Oh, je savais que j'allais me faire laver. Des fusils d'assaut, des SMG, tout ça. Et ça finit... Il y a un moment, batteuse et sniper. Puis ça finit en général avec... 90 degrés pour Zach, ça me fait chier. Faut que je fasse attention. Faut que je le remporte d'ailleurs, ce jeu d'armes. Vraiment, je... Si je le remporte pas, c'est petite teubie. Est-ce que Zach va oser poster un jeu d'armes perdant sur YouTube? Je ne suis pas très sûr de cette information. Attends. Il y en a en dessous. Non, je me suis fait laver le cul, frère. C'est dur, c'est dur. 110. Ah, j'ai 4 kills de retard. Oh, turn, monsieur. Terre monsieur, c'est dur, c'est dur, y'en a, ils sont encore aux pompes et toi t'es là avec des grosses armes et tout, c'est pas facile, frère. Attends, 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 concentrons-nous, concentrons-nous. Double, très bien. Triple, très bien. Deux éliminations, deux éliminations. Rattrapons le retard. Rattrapons le retard, rattrapons le retard, c'est très important, c'est très important. Ça me fait plaisir parce que ce week-end vous allez avoir le droit à du vlog. Et d'une, du vlog de qualité Netflix, mais... mais du vlog voyage pour la première fois depuis l'Estonie. Alors cette fois, je serai tout seul, d'accord? Mais ce sera du vlog en direct de Madrid. Je vais en Espagne le temps d'un week-end. Attention. Ah, mais je sais que là, certaines personnes vont dire « Mais Zach, pourquoi est-ce que tu vas en Espagne le temps d'un week-end ?» Pour le kiff, hein. Écoute, on a le droit de voyager en Union européenne, là-bas il fait chaud, il fait beau et les restaurants sont ouverts, et bah écoute, allons en profiter. Zach le français, je suis allé me torcher la tige dans le pifard pour pouvoir y aller, donc franchement, crois-moi que... Hop, hop, hop. Je vais pas me gêner, mon pote. Aïe, 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 mais je suis nul. 3 balles d'affilée ratées, mais what the fuck, quelle nullité, frère. Ok, un hit marker, ça fait plaisir. Il manquait vraiment que ça, hop. Dommage, 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 dommage. Attends, attends, attends. Le Jazz là, il est avancé de fou. Il a fait un kill avec le lance-grenade en plus. Attends, attends, attends. On va avoir quelqu'un ici. Tri-kill, super. Lance-greux, lance-greux, temper. Tu sais que j'ai jamais fait de kill avec ce truc. De tout ce que j'ai joué sur le jeu. Quoi, je suis pas avec. Mais il est nul. Mais je suis pas dessus. Mais c'est absurde. Mais c'est tellement hallucinant, les explosions sur le jeu, frère. Vraiment, hein. Je vais être honnête avec vous, les explosions sur ce jeu sont quand même foutues avec le cul. Hein. Je suis pas dessus là.
Mais vraiment, le radius de certaines explosions, c'est tellement lunaire. Attends, essayer de trouver le mec là. Je sais qu'il y en a un là qui va rentrer. Voilà, parce qu'il y a, eu des dégâts. Où ? Il y en a qui s'est suicidé. Attends, attends, attends. Voilà, il y a un gars là. Let's go, j'ai eu le kill. Super, les points. Non, il m'a droité ma mère, c'est le premier en plus, putain. Il m'a droité, ça m'a baissé en arme. Non, il était low life et tout, frère. Oh, ma vie a chié, ma vie a chié. Il lui reste que... Je pleure. Je relance, frère. La vie de ma mère, je relance. Ça ne restera pas là. Je l'ai eu. Trop nul la killcam, voilà, je suis un rageux. Oh là là, oh là là, oh là là, mais c'est ça la killcam. Mais la vie de ma mère, même moi j'ai mieux fait. Même moi j'ai mieux fait. Ça, il a gagné parce qu'il est arrivé avant moi dans la partie. C'est pour ça. Non, c'est pas une excuse. On est reparti, mon ref. Donc y'en a un qui a spawn directement derrière moi comme ça là. Mais c'est honteux. Oh là là, le head glitch des enfers, il est en head glitch des enfers. Moi, je viens de commencer, frère, je viens de commencer. Donc oui, ce week-end, petit vlog à Madrid. En ce moment, il y a pas mal de contenus IRL qui vont venir. D'ailleurs, je suis très content de vos retours. Oh frère, j'étais une balle de vos retours sur la vidéo loco. La série va continuer, hein. Il y a une deuxième vidéo qui sortira demain, c'est prévu. Mais comment je ne l'ai pas tué? Mais what the fuck, à des moments, vraiment, je... Mais c'est lunaire, je touche pas! Nique ta grand-mère! C'est bon, j'en ai marre, ça me saoule! Pardon, 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 faut pas s'énerver, faut pas s'énerver. On est de bon matin, hop, 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 regarde, tac, 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 c'est bon, c'est bon. Ça va, ça va, ça va. J'arrive pas à tuer avec un truc, putain, putain. Voilà, dégage, dégage, c'est bon. Parfait. Super. Viens petit. Oh, j'ai tenté le beau jeu, j'ai tenté le beau jeu avec le slide, etc. Après m'être un petit peu énervé, je m'excuse pour l'insulte, c'était pas très sympa. Alors Zach qui s'excuse pour une insulte, tu te doutes bien qu'on est... On est vraiment sur un homme qui a changé. Il m'a tué avec la première arme, hein. Fuck sake, je me fous la honte. Milano vraiment a chié ça. Milano vraiment a chié comme arme. Oups. Il perd le duel, attention, 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 attention. On enchaîne, le trip, ça fait plaisir, let's go, let's go, let's go. Donc oui, ce week-end, petite vidéo Madrid. Et après, je terminerai un truc que j'ai laissé de côté pour l'instant et qui, j'avoue, m'a rendu fou dans les grandes... Il m'a rendu fou dans les grandes lignes. Le Dark Matter, les frères, le Dark Matter, je l'ai complètement laissé tomber. Après, parce qu'il y a eu la sortie de la ligue aussi, parce que j'appréciais faire autre chose en ce moment, en live. Alors je sais que c'est peut-être pas la mode de dire ça, et moi en ce moment j'appréciais pas mal jouer à Warzone, d'accord. Donc ça me faisait plaisir d'envoyer autre chose. Il me lave lui, hein. King machin là, il est fort. Hein. C'est moi le numéro 1. Ah bah putain, mais je suis le numéro 1, mais je suis en train de galérer sur la XM4. Non, je suis plus le numéro 1 là, attends. Je galère sur la XM4 comme ça. Oh la fucking honte, je me fais, mon frère, je... me fous la hache, attends. Il va y avoir quelqu'un devant moi là. Honte. Honte à Zach. Honte à Kaznani. Là, c'est pas Zach, c'est Kaznani, frère. Alors, j'ai totalement délaissé le Dark Matter parce que j'en suis à des armes. Là, j'en suis au lanceur. Et franchement, le lanceur... À faire, essayer de faire ces lanceurs avec mon SBMM à moi, réellement... Aucun plaisir de jeu. Donc, j'avoue, je fais traîner. Mais là, avec cette petite saison 2... J'ai une raison de fumer mon pass de combat et de m'y remettre. Chose qui sera faite, donc quand je vais sortir une vidéo où je vais flexer avec mon Dark Matter, il ne faudra pas dire le mot bip, hein. Je vous le dis, interdit de biper pour tout le monde. C'est une interdiction qui se veut très formelle, mais qu'est-ce que je viens de prendre, frère? C'est grave! Pardon. Oh vraiment, sur Black Ops Cold War... Ces derniers temps, j'ai pris de ces bullshit. J'ai même rejoué à la manette et j'ai trouvé ça grave cool. Franchement, petit kiff de rejouer à la manette, faut que je l'avoue. Après être passé clavier-souris... Le clavier-souris ? C'est pas ultra simple. C'est bon, je peux me partir.
Aïe, non. Je suis assailli des deux côtés. Des deux côtés, mon frère. Le clavier souris, c'est pas toujours simple, et j'avoue qu'à certains moments, même si j'ai toujours défendu mes joueurs manettes, hein, il y a certaines armes qui sont un peu plus simples à la manette, notamment grâce à l'aide à la visée, et notamment par exemple la M16 ou des bails comme ça. Ils sont vraiment beaucoup plus appréciables. Avec l'aim assist, et il n'y a pas de mal à le dire, tu vois, je dis même pas « trop de cheap, hey !» Tu vois, comme les joueurs PC de merde qui expliquent tout leur déficit par le fait qu'en face c'était un joueur manette, ça je déteste, hein, vraiment. « Ah, je suis mort parce qu'il fait à la manette !» Oui, ferme ta gueule, t'es mort parce que t'es à chier, quoi. C'est pas bien à dire, c'est pas bien, c'est pas gentil de dire ça. Mais ça représente une réalité où beaucoup de gens se sortent des excuses. Malgré tout, faut quand même se dire que voilà, petite aide à la visée, ça peut aider un petit peu par rapport à certaines armes. Et donc notamment les armes à rafale, hein. Franchement c'est un peu plus facile de jouer à la M16 et à la Hog avec une manette que... Lui c'est un bon joueur lui. Que avec autre chose. On est au point, là on est sur une galère là. On est deux ou trois déjà à courir comme des tocards. Oh quoi? Il a fini? Non frère, il a fini. Mais putain, mais gros, j'arrive pas à gagner. Attention, vas-y, on va se laisser une autre chance, on va se laisser une autre chance. I want to win. En plus, c'est moi la killcam. La killcam est fluide, t'es mort. J'étais là, c'est qui à la killcam? Bah, Isaac Nani a deux killcams, mon frère. Putain, je suis parti tellement vite, j'ai même pas eu le temps de patate, les mecs. Bon, écoutez, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Parce que de toute façon, pour jouer à cette heure-là du matin, il y a soit des chômeurs, soit des mecs motivés. Cible neutralisée. Ou les deux. Non, dommage. Donc là, il faut que je gagne ma partie, frère. Je peux pas vous donner trois gameplays de jeu d'armes perdants et même pas en gagner un seul. Mais wesh, il tue plus vite que moi. C'est la honte. C'est la honte. Je me tape la honte. Il tue plus vite que moi avec un petit gun, hein, quand même. C'est... Par moment, ce jeu est un peu lunaire. Hein. Allez, let's go, let's go. On court. Where are the girls? Oh, dommage, lui, marqueur qui a suivi. Je manque un poil de réussite, vraiment. En ce moment, dites-vous que j'ai tellement manqué de chat, que ce soit en stream ou autre. Dites-vous, si j'avais arrêté de jouer à Cold War pendant quelques temps, c'est pas pour rien, et je le reconnais, si vous passez sur mes streams, bon, bah, on n'est pas parfait, on fait tous des erreurs. Moi, j'ai envie de faire amende honorable. Et une des raisons pour laquelle j'avais un peu coupé Black Ops Cold War ces derniers jours, c'est parce que j'avais trop ragé, j'étais devenu toxique, que ce soit en stream ou autre. C'était plus agréable de regarder mes lives et je tenais à m'en excuser solennellement. Voilà, à m'en excuser solennellement, à dire bah, sorry boys. Mais comment il meurt pas? C'était pas top de ma part et j'ai bien fait de laisser le jeu de côté quelques temps parce que vraiment. Avec la ligue et toutes ces conneries, je prenais que des dingueries, des mauvais alliés ou autres. J'ai tellement voulu finir haut que je prenais le truc tellement à cœur et ça me faisait rager de fou et ça va refaire sortir un vieux Zach de l'époque. Il pouvait vraiment être toxique dans son comportement et ça c'était pas bon. Donc réellement laisser le jeu de côté, j'ai fait un peu mon sardoche. Mais laisser le jeu de côté quelques jours m'a fait énormément de bien. Attends, mais il y en a un, il a... Mais il est numéro 1 avec 14 kills, mais c'est une blague. J'offre les kills aux autres. Hein. Mais nique ta... Attention, on n'a dit pas d'insulte. Le mea culpa bidon du type. On va dire que dire mea culpa pour dire nique ta grand-mère dans la foulée, c'est pas terrible. Bah, mais pardon, mais c'est bureau là le numéro 1, mais il est trop fort, il a 7 kills d'avance, je suis le deuxième. Mais il est trop fort, mais c'est sa game, on est tombé dans la game de quelqu'un là. What the fuck, c'est qui bureau? C'est quoi ces spawns aussi? Mais c'est quoi ces spawns? Je suis plus deuxième, je suis numéro 4 ou 5. Oh what the fuck. Dégage. Le one. C'est le moment de remonter. C'était le moment de remonter, j'ai choqué un kill important, putain. Je suis un putain de choker.
Ok, super. J'enchaîne pas mal. L'autre, il est encore... Non, il est au couteau. C'est mort. Je crois qu'il est au couteau, frérot. Le couteau, ça va être trop difficile à remonter. Attention, on court. C'était lui. Si je remonte, c'est incroyable. Non, il m'a touché. Ça aurait été magnifique, un joueur sniper pour foutre des patates, c'est l'idéal. Oh, trois fois deuxième, je suis en paix, je suis tellement triste. Oh, votre 4-17, il fait moins de kills que moi, frère, C'est lui, là, il a enchaîné fort, regardez la qualité de cette kill cam. Eh ben écoute, bien joué à Bureau, félicitations, et je suis désolé, je vous offrirai pas de gameplay vainqueur aujourd'hui en jeu d'art. Malgré tout, quel kiff, j'espère que ça vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, et je vous dis à la prochaine les amis, bisous.